Bonjour mes petits camarades. Nous sommes le lundi 26 octobre 2020 et je suis parti faire un tour entre Fumet et Revin. Donc normalement ça ferait une belle balade hein, puisque on n'est pas loin aller-retour des 20 km. Voilà, il fait pas mauvais, il fait un peu frais, mais bon pour l'instant le temps se maintient au sec. Hein. Voilà. On a une belle trace de sabots de sanglier, hein, de pattes de sanglier. Tout ce que j'aime est là. Bon bah finalement j'abandonne la voie verte parce que y a un point qui me plaît particulièrement. Alors j'ai regardé les panneaux de chasse, donc ils ont chassé le 22, là c'est fini pour eux pour le mois d'octobre. Je prends la route forestière du fond de la Manise. Bon ben voilà, voilà cette route forestière. Hein. Donc je vais marcher, je vais découvrir un coin que je ne connais pas. Alors voilà ce qu'on appelle des vestes de loup. Alors quand c'est jeune comme ça, bah c'est très bon. Hein. Là il y en a un beau petit paquet à mes pieds. Vous voyez, il y a de quoi faire. Ben, je vais ramasser tout ça parce que c'est très bon. Voilà, mon repas de ce soir. Alors, tu es en plein bois, certes, sur une route forestière empruntée par des chasseurs, mais tu découvres aussi un panneau qui t'indique un risque d'éboulis. Donc, fais gaffe à toi, mon fifi. Hein. Il y a des passages marécageux. Hein. Faut dire qu'il a bien plu. Hein. Alors ça c'est le torrent que j'ai filmé plus bas là. Donc bah, plus je monte, plus ça coule. Hein. Et puis il passe là-bas derrière les arbres là. Hein. Il prend visiblement de la vitesse. Hein. Vous voyez que là, il prend de la vitesse là-bas. Hein. Bon alors, comme d'hab, les godasses sont mouillées. J'ai voulu passer sur le chemin et puis je me suis un peu enfoncé du pied droit là. Et puis légèrement du pied gauche. C'est comme ça tout le long, hein, puisque maintenant je chemine en sous-bois. Alors là c'est marécageux, vaseux, boueux, tout ce qu'on veut, hein. Tout ce qui finit en eux. Hein. Bon ben là je peux vous dire que c'est une balade qui me plaît. Hein. Oui, comme on dit, je suis bien aise. Alors j'ai été obligé de sortir du sous-bois, de reprendre la route forestière, parce que c'était impraticable au bord tellement c'était marécageux. Hein. Et puis ben, je retrouve mon petit rapide. Un petit rapide, très rapide. Et bien ça peut durer pour moi des heures. Je ne m'en lasse pas. Hein. L'eau, c'est la vie, hein. Oh,
regarde-moi ça comme ça descend là-bas. Oh, dis donc. Tu parles d'un bouillon, toi. La flotte, elle arrive de partout ici. C'est phénoménal. Hein. Qu'est-ce que c'est beau. C'est quasiment des mini-cascades. Hein. Il n'y a vraiment que cette saison d'automne qui nous offre de si jolies couleurs. C'est magnifique. Dire qu'il y a des gens qui font des milliers de kilomètres pour aller voir ça au Canada. Et nous ici dans les Ardennes, on a tout. Tout, tout, tout. Pas besoin d'aller si loin. Alors là, il y a un pommier sauvage, ben, je vais goûter pour voir. Hein. Oh, c'est zéro, c'est hyper acide, t'as l'impression d'avoir les dents qui poussent. Là. Bon bah ben, là je suis en train de remonter, hein. Je m'éloigne du rapide qui est en contrebas, vous voyez. Ben, voilà, j'ai commencé de marcher, il était midi. Là il est 2h30, je viens de regarder mon téléphone. Hein. T'as beau faire, hein. C'est vrai que j'étais parti pour faire un bout de voie verte, mais t'as beau dire et beau faire, l'appel du bois est le plus fort. Je me suis régalé. Magnifique. Bon bah maintenant, il va falloir que je rentre alors. Ça va aller un peu plus vite parce que c'est vrai que j'ai fait pas mal de photos et de bouts de films. Hein. Donc allez, au total, j'ai peut-être marché 2h sur 2h30. Hein. Et puis là ça va aller bon train pour revenir, hein. Ça va être une marche commando. Hein. Et voilà, juste pour clôturer agréablement ce film, et je suis reparti. Voilà, juste pour finir ce film sur une jolie note. Jolie note visuelle et musicale, c'est la musique de Dame Nature, la plus belle symphonie qui soit. Non mais regardez-moi ce superbe cep sur la route du retour, avec mes vestes de loup. Bon ben, c'est pas un cep, c'est un bolet, mais un balèze aussi celui-là. Hein. Oh les copains, ah, y a ce qu'il faut, je me régale hein, en ce moment, dis donc. C'est une vraie cure de champignons. Hein. Et de deux. Et de trois. Et de quatre. Et de cinq. Bah, je suis pas rentré. Hein. Et bien les petits copains, entre mes vestes de loup et mes bolets, j'ai de quoi faire. Hein. Je vais partager avec Lulu. Et bien les copains, c'est l'heure de la pause. Vitamines et de la pause réhydratation. Eh bien, j'ai fait une sacrée belle balade et puis je m'y attendais pas, mais une belle chasse aux champignons, j'en ai trouvé. Hein. Non, une belle journée. Fait pas froid, il n'y a pas plu, il reste quoi, 2 km, 2,5 km peut-être, mais voilà.